premier chroniqueur à avoir accepté de se lancer dans l'aventure du sport, c'est notre Fred Dubé national. Pour nous, il est allé couvrir le sport le plus excitant de la planète, la F1. Et coupé. La F1? Sérieux? Ça non plus, c'est pas un sport. Ben oui, c'est considéré comme un sport. Arrête! La seule personne pour qui conduire est un sport, c'est justement Fred Dubé. Ah! T'es belle. T'es belle. Et toi? Bonjour, mesdames et messieurs. Fred Dubé pour Gros Titre. Aujourd'hui, je suis à un événement mondain et culturel, le Grand Prix de Formule 1 du Canada. Je peux y aller après? Je suis avec monsieur. Jocelyn Fecteau. Jocelyn Fecteau? Par rapport à qui? Par rapport à mon père, Michel et Denise. Ah! Vous voulez saluer? Qu'est-ce qui se passe de gros ici en fin de semaine pour le Grand Prix? Ben, je sais pas si t'as remarqué, là, mais il y a un petit party qui est en train de passer ici sur la rue Crescent. Il y a tout le monde, les belles chars, les belles filles, tout le monde est ici. On a le Pit Stop Challenge brought to you by Alfa Romeo. Soyez pas timide, descendez, c'est wow. Quelque chose ici. Vous êtes un pilote, là? Oui, pilote en NASCAR Canadian Tire. Ça, c'était une abeille ou...? C'était quelqu'un de vraiment déchaîné sur la rue Maisonneuve. Hey, ça... c'est bien, ça sonne bien. C'est Ferrari, la F1, c'est important. Ça nous grouille d'un gonade. Très intéressant, ouais. C'est paradoxal, ça, que le gouvernement libéral coupe partout, mais subventionne à 240 millions de dollars sur 10 ans la F1. C'est comme de l'austérité à deux vitesses, vroom vroom. Moi, personnellement, je pense que c'est un bon investissement. Si on parle à tous les commerçants, les touristes, je pense que c'est quelque chose de très positif. Parlons au club échangiste, les bars de danseuses, la prostitution, ça roule. Il y a des riches qui viennent se vider à la poche ici, là. Écoute, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Alors, je serais curieux de savoir votre vision à vous en tant que pompier d'un événement comme le Grand Prix de Formule 1. Ben, je pense qu'il faut juste avoir une ouverture d'esprit et savoir qu'il y a des commerçants qui vivent que de ça. Puis moi, ben, je suis quand même ouvert d'esprit. Moi, il n'y a rien qui me dérange dans l'événement de la Formule 1. Il n'y a rien qui me dérange. Rien. Rien. Rien qui me dérange. Rien qui me dérange. Rien. Rien. Parfait. M'aider, 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 m'aider. Besoin d'aide, besoin d'aide. Un humoriste en feu. Un humoriste va se faire péter à la gueule. Bon sens du mot, c'est vrai. Il n'y a rien qui vous dérange. Ah, c'est bon, ça. Qu'est-ce que vous ressentez face à un objet aussi... imposant. Imposant. On sent qu'on est fort avec ça. Ah. Oui, ça donne la force et... C'est une prolongation du membre de l'homme? Oui, l'intelligence de l'homme. Mais non, du membre de l'homme. De l'intelligence, je sais pas. Oui. Je suis d'accord avec vous. Y a-t-il comme une corrélation entre gros char, gros toton, gros moteur, petit pénis? Moi, je te dirais que peut-être non. Je vais pas voir nécessairement plus loin que ça dans mes adversaires en piste. Ça serait une bonne façon d'intimider, ça. Une bonne stratégie à adopter peut-être la prochaine course. Quels points ont en commun tous les gens qui viennent ici, mis à part une faible estime d'eux-mêmes et un petit pénis? Mais la joie qui est contagieuse. La joie qui est contagieuse. Tout le monde est souriant. Les belles nanas. Les comment? Les belles nanas, les belles poupounes. Mais oui, on est enflammés. Tu peux poser une question? OK. Es-tu un peu sexiste et misogyne? Non. Il y a des beaux garçons aussi pour les femmes. Je me demandais, vous pouvez peut-être m'éclairer, y a-t-il une différence entre une femme et un objet de consommation si on peut payer pour se procurer les deux? Hein? On utilise moins le corps de l'homme pour vendre des cochonneries, mais plus le corps de la femme. C'est parce que la femme est plus beau et plus belle que nous. Voyons donc, mais c'est de là la femme. Nous sommes et le bouillon. Nous sommes le bouillon? Le bouillon de la nature, de l'être humain. La femme, c'est le chef-d'œuvre, c'est la finition. L'homme est le bouillon et la femme, le chef-d'œuvre. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que le Grand Prix, sinon un renforcement de la servitude de la femme et la preuve du pouvoir de l'homme dessus? C'est pas une question pour les pompiers, ça. C'est bien, ça. Je vais citer de Nicodère. Le Grand Prix, ça roule tellement, t'es en train de manquer de pute. Tu me niaises, là. Ben oui. Ah, merci beaucoup, mesdames. Bonne journée. Bonne soirée. Il semble que la F1, ça manque de cellulite et de vergeture. Un manque de ça, je veux dire. C'est une lacune de la F1, ça. Bonjour, mesdames et messieurs. Fred Dubé, je suis en compagnie, mademoiselle. Vanessa. Bonjour, Vanessa. Ici que? Vanessa. Et Vanessa, ben oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous attire pendant le Grand Prix de la Formule 1? Les femmes. Est-ce que le Grand Prix met Montréal en valeur? C'est certain. Quelle valeur?
les valeurs de l'automobile. Juste les valeurs de l'automobile? Les valeurs féminines aussi, parfois. Ah, là, tu me lances sur le chemin de la misogynie, le machisme et traiter des femmes comme des objets. Peut-être. Il a la langue de bois, lui. Oui, mais c'est ça pareil, là. As-tu des fois des hommes qui ont des comportements qui vont un petit peu trop loin ou des commentaires désobligeants? Un peu, mais ah ouais. On va faire avec. Ça me donne l'argent. Un petit mal pour la télé. Puis comment se déroule la journée? Bien. Ah, ouais. Super bien, à vous, là. C'est fou, là. C'est quoi les pires phrases qu'on vous a dit aujourd'hui à date? Ben, il n'y en a pas grand, là. Parce que, ouais. Ça se déroule dans le respect? Oui, dans le respect, oui. C'est quoi l'une des pires phrases qu'on vous a dit aujourd'hui? Sérieusement? Si j'achète des mags, est-ce que tu viens avec? Demandez exemple de si on pouvait s'embrasser pour 100$, des trucs comme ça. Est-ce qu'on pourrait vous louer? Combien vous chargez? C'est assez spécial. Oh, pour une petite question? À vos questions pour l'instant. Ça a-tu rapport avec eux? Ça rentre les chars. Ben, je pense pas que j'ai le droit parce que ma boss, elle m'a dit non. OK. Malheureusement... En fait, ben, dis-moi de quoi tu as le droit de parler. Hey, c'est de la censure, ça? Ouais. Bon, ben, les filles vont aller contacter leur patron parce qu'ils savent pas s'ils ont le droit de parler devant une caméra. Alors, tu veux parler du féminisme? Oui. Tu veux, ouais. Trouves-tu qu'il y a trop de féminisme pendant la F1? Oui et non. À la F1, trouvez-vous qu'il y a une certaine misogynie? Est-ce que les femmes, c'est plus des objets, des fois? Ouais. Définitivement. C'est pour ça qu'on met des Converse. Ouais. Oh! Fait que vous militez, là! Un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour la femme? Ouais, exactement. Ben, je trouve que les femmes s'exposent un peu trop, genre, sur les autos pis tout, mais je veux dire, j'aime ça, là. Il y a plein de pitounes partout, j'adore ça, là. J'en veux plein aussi, là, je m'en calais. Il y a Jacques Villeneuve qui a dit « Je me sens plus confortable dans un char que dans une femme. » Parce que dans un char, on peut venir vite sans se faire juger. Est-ce que vous êtes habillé comme ça en l'honneur de Bernie Ecclestone, qui a dit que toutes les femmes devraient être habillées en blanc comme n'importe quel autre électroménager? C'est encore drôle, je penserais pas. Êtes-vous d'accord avec ça? Non. On a le droit de s'habiller comme qu'on veut. Bon, ouais. C'est bon, ça. Vous êtes un peu féministe dans l'âme. Ouais. Comme a déjà dit l'anarcho-féministe Emma Goldman... Se faire poser des fausses boules puis se faire bleacher la scène, c'est tout ça l'émancipation féminine. Bon courage, mesdames. Emma Goldman est avec vous autres. Merci.